continuer avec cette série. Pour ceux qui ont suivi cette série, c'est une série où le Seigneur a mis à mon cœur pour parler sur le finance de ses enfants. Alors, le Seigneur est intéressé à ce qui se passe dans votre vie. Tout côté. Alors, comme tu es là, tu dois savoir cette chose, que tu es une personne qui vit dans trois dimensions. Tu vis dans les dimensions spirituelles, où tu as besoin d'être en connexion avec Dieu, qui est là où l'Esprit de Dieu touche à ton esprit. Tu es en train de vivre dans un monde matériel, où tu as besoin des finances, où tu as besoin des finances, où tu as besoin de vivre dans une maison. Et toi aussi, comme tu es là, tu as aussi un côté de ton âme, où tu as besoin d'être là où tu es dans ton corps, où tu as besoin d'être guéri, besoin d'être en bonne santé, besoin de bien se sentir dans le corps. Alors, toutes ces trois dimensions sont intéressantes pour Dieu. Dieu n'est pas venu seulement sauver ton esprit. Si cela était le problème du salut, quand Dieu nous avait sauvés, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, on devrait directement, automatiquement, tomber par terre, mourir, et notre esprit qui est sauvé allait monter directement au ciel pour habiter avec Dieu. Mais quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés spirituellement, il nous a sauvés aussi dans nos corps, pour qu'il ne puisse pas avoir des maladies. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il nous a guéris. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, dans les livres de Luc, qu'il m'a oint pour faire ceci, pour faire sortir les gens de prison, pour faire sortir les maladies de leur corps, pour les guérir les yeux, pour que les boiteux puissent marcher, et pour ceux qui sont dans les souffrances, et pour que les pauvres puissent chanter. C'est ça le travail de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Dieu est intéressé à toi. Tout toi, tout ton toi, tu es ton corps, tu es ton esprit et tu es celui qui vit, qui habite dans une maison. Alors, le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses dormir dehors. Le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses être sauvé, mais malade. Non, le salut est complet. Alors, quand le péché est entré, comme on voit dans les livres de Genèse, c'est à cause du péché que l'homme pouvait devenir malade. Quand l'homme a mangé les fruits, c'est à partir de cela qu'il pouvait avoir mal à la tête. C'est après avoir mangé, c'est quand on l'a chassé du jardin. Maintenant, l'homme pouvait être un sans domicile fixe. Maintenant, le travail de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour régler cette situation. Il est venu pour régler cette situation. Que l'homme avait mangé, il a péché, on l'a chassé, il pouvait mourir. Il est venu pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Alors, si l'homme est réconcilié avec Dieu, l'homme doit avoir sa maison. L'homme doit avoir son jardin. La maladie est entrée à cause du péché. L'homme en connexion avec Dieu ne peut plus être malade. Ne peut plus être malade. Quand la Bible dit que les jeunes mourront à 100 ans, quand la Bible dit que les jeunes mourront à 100 ans, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui. Parce que cette promesse-là n'est pas pour le ciel. Parce qu'au ciel, on ne va pas mourir. Au ciel, on ne va pas mourir. Maintenant, toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et maintenant qu'on est en Jésus-Christ, nous sommes les guéris. Nous sommes les guéris, nous sommes les bénis, nous sommes les rachetés. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, nous sommes comme il est, nous sommes aussi. Comme il est. Ça, c'est 1 Jean. 1 Jean 4, 17. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Alors, lui, il ne peut pas être malade. Non, Jésus-Christ ne peut pas se dire que, non, aujourd'hui, je ne vais pas venir me mettre sur mon trône parce que
j'ai mal à la tête, oh, parce que j'ai une grippe. Non, non, il est sur le trône en train de gouverner, il est sur le trône en train de régner. Alors, comme il est, nous sommes aussi. Comme il est, nous sommes aussi. C'est lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cette force qu'on a en Jésus. C'est cette force que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Alors, nous allons lire. Nous allons lire pour que nous puissions continuer avec ces choses. Nous allons lire parce que j'ai déjà commencé à prêcher. C'était pour dire bonjour, mais mes salutations se sont retournées à une prédication. Alors, pour que... Donc, nous allons lire parce que c'est les choses que j'ai préparées pour qu'on puisse partager ensemble aujourd'hui. La bénédiction. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 14, 13. Dans le livre de Matthieu 14, 13, l'histoire commence à 14, 13. Mais je vais lire directement à 16. Je vais lire à partir de 16 et puis on va expliquer un peu ce qui se passe derrière. On dit à 16, on dit que Jésus leur a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-le-moi. Il le fit asseoir. Il fut asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. 5000 hommes ont mangé ce jour-là. 5000 hommes ont mangé ce jour-là, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Alors, les gens ont essayé un peu de calculer pour comprendre combien il y avait de gens ce jour-là. Alors, on nous dit toujours, c'est quand il y a 5000 hommes, il y a le nombre de femmes dépasse. Comme donc, parce qu'il y avait 5000 hommes, on mettra environ qui environ il y avait environ plus dans le nombre de femmes dépassait deux fois le nombre des hommes. C'est qu'il y a c'est là pour nous donner qu'il y avait 10 000 femmes. Alors, le nombre des enfants dépasse toujours le nombre des parents. Parce qu'il y a un papa et il y a une maman. Et le nombre des enfants commence toujours à 2, 3, 4 ou plus. C'est là pour avoir un chiffre un peu complet. On pourrait dire qu'il y avait, dans chaque famille, il y avait 3 enfants. C'est qu'on peut avoir qu'il y avait 15 000 enfants. Donc, il y avait 5 000 hommes, 10 000 femmes et 15 000 enfants. C'est là qu'on peut avoir un nombre. Il y avait 30 000 personnes qui ont mangé ce jour-là. Est-ce que vous avez compris comment on est arrivé au nombre 30 000? 5 000 hommes, le nombre des femmes est toujours dans ton église. Regarde dans ton église, compte les hommes et compte les femmes. Dans la plupart des églises, le nombre des femmes dépasse le nombre des hommes. Alors, c'est presque toujours deux fois plus. Alors, c'est pourquoi on a trouvé le nombre, c'est comme ça qu'on a trouvé le nombre 10 pour 10 000 pour les femmes. Et pour les enfants, on a multiplié par 3, les 5 000 fois 3. Parce que chaque homme, les hommes là, ceux qui étaient mariés, ils avaient les femmes, c'était plutôt. On avait un peu un truc comme chaque. Dans chaque famille, on met 3 enfants par famille. Alors, on a un chiffre là de à peu près 3000 personnes ont mangé ces jours-là. Alors, c'était comment cette histoire? L'histoire commence à partir de 13. Donc, l'histoire commence à partir de Matthieu 14, 13. Là où le Seigneur